ensemble avec nous de partout où vous êtes connectés. Nous vous saluons ainsi dans la grâce et dans la faveur de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, parce que c'est pendant ce genre de moments, c'est pendant ce genre de moments que Josué dit au soleil, soleil, lève-toi sur Gabon. C'est pendant ce genre de programme de prière et de délivrance que ainsi que vous entrez dans une sphère de spiritualité et ainsi dans la dimension de dominer, dans la dimension de devenir ainsi, de devenir dans la dimension de la royauté, dans la dimension de la couronne. Pour toutes les personnes connectées ensemble avec nous, nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier au nom puissant et précieux de Jésus-Christ que le monde spirituel comme le monde physique soit ainsi dirigé, soit maintenant soumis par votre autorité et par le pouvoir de Christ en vous, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Nous sommes en train de prier parce que cependant ce genre de moment que nous saluons la présence de notre Père qui est déjà connecté à ce moment, que le Dieu de son onction se manifeste encore fortement d'une manière exceptionnelle dans notre vie et dans nos destinées. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, cependant, ce genre de moments et ce genre de programmes que le soleil s'arrête sur Gabaon, c'est pendant ce genre de moment que le soleil va s'arrêter dans votre vie, afin que vous puissiez vivre ainsi la plénitude de votre destinée. Afin que vous puissiez vivre ainsi la plénitude de votre domination spirituelle comme physique, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, car il y a une onction particulière. Il y a ainsi, cher révolutionnaire, nous devons savoir quelque chose, comme ce que nous avons dit autrement, qu'il y a des entités spirituelles de Dieu qui travaillent et qui marchent en collaboration avec la couronne. Nous avons lu ensemble avec vous dans Ézéchiel. Nous avons lu cela dans Ézéchiel. Nous avons lu ainsi qu'il y a des entités spirituelles de Dieu qui travaillent avec la couronne. Et la couronne sur votre tête fera que vous soyez, que vous entrez dans la dimension de personnes qui sont intouchables, de personnes qui doivent expérimenter la gloire et la puissance de Dieu. Et nous avons parlé de l'animal ailé. L'animal ailé. Mala sola di razia. Que pendant ce moment de couronne, que les anges soient ainsi multipliés dans votre vie. Il y a dans Ézéchias, le chapitre 10, le 20e verset. La Bible déclare, ne maudis pas un roi, même dans ta pensée. Paraso de rederasopa. Ne maudis pas un roi, même dans ta pensée. Pourquoi? Parce qu'il y a ainsi une catégorie des armées célestes qui sont en communication, qui sont en phase avec la couronne. C'est ainsi que la couronne sur votre tête vous amène d'opérer d'une certaine manière. Si les autres opèrent
avec des démons. C'est ainsi que pendant ce moment, les anges et les entités, les créatures exceptionnelles de Dieu viendront pour renforcer votre pouvoir, pour renforcer ainsi votre pouvoir, pour renforcer ce que le Seigneur est en train de vous appeler de faire. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je suis en train de prier et de prophétiser que tout ce qui se passe dans votre sang, tout ce qui est contenu dans la lignée familiale, dans la lignée ancestrale, depuis le commencement de votre génération jusqu'à présent, qui empêche que la couronne soit placée sur votre tête, que cela maintenant soit brisé et anéanti par le pouvoir de Dieu, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Est-ce qu'un révolutionnaire qui peut déjà répéter après moi par les rugissements du lion de la tribu de Juda, pouvez encore le dire avec force, par les rugissements du lion de la tribu de Juda, par les rugissements du lion de la tribu de Juda, j'impose ma domination dans ma famille. Chers révolutionnaires, votre couronne ne sera pas donnée à une autre personne. Votre couronne ne sera pas confiée à une autre personne. Votre couronne ne sera pas confiée à une autre personne. Dans la famille, vous êtes choisi dans l'élection de Dieu pour ainsi être de personnes qui doivent être couronnées. Parce que ainsi, dans l'élection de Dieu, vous êtes sélectionnés pour manifester le dessein et le sacerdoce de Dieu. Pendant ce moment, c'est un moment où nous sommes ainsi, nous sommes formés, nous sommes dans la prière pour le sacerdoce de Dieu, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je suis en train de déclarer que tout ce qui vous empêche de toucher à votre couronne, d'être qualifié pour la couronne, maintenant, par les rugissements du lion de la tribu de Juda, que cela soit maintenant brisé, annulé, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Chers révolutionnaires, là où vous êtes connectés, vous allez prendre un verre d'eau, s'il vous plaît. Vous allez prendre une bouteille d'eau, un verre d'eau. Et nous allons prier, nous orienter dans le pouvoir de Dieu. Le pouvoir et la puissance de Dieu qui sera transmis au travers de l'élément eau. Et au travers de cela, les anges des eaux vont ainsi venir dans votre maison. N'ayez pas peur, parce que nous sommes dans une dimension où nous devons expérimenter les choses. Les anges de Dieu vont venir dans votre maison pour ainsi vouloir détruire et chasser tous les esprits maléfiques des eaux, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que tous ceux qui vous empêchent de vivre pleinement la bonté de Dieu sur la terre des vivants. Le chef de terre. Et même en parlant de ces choses, chers révolutionnaires, nous devons savoir que la Bible est en train de nous parler. Nous sommes ainsi dans la Bible et la Bible est en train de nous parler dans Job, le chapitre 12, le 8e verset. Est-ce qu'un révolutionnaire est ensemble avec moi? Job, le chapitre 12, le 8e verset. Et prochainement, chers révolutionnaires, nous allons avancer dans une direction spécifique de prière où nous allons utiliser la terre. Nous allons utiliser la terre
et inscrire votre nom dans la liste de personnes qui doivent être couronnées. Si dans ce travail, il doit y avoir 3 personnes qui doivent être couronnées, vous serez parmi ces 3 personnes. Si dans le travail, il doit y avoir 2 personnes qui doivent être promues, couronnées, vous serez parmi ces 2 personnes. Dans le travail où vous êtes, où il est prévu qu'une seule personne soit couronnée, vous serez parmi cette seule personne. Vous serez la seule personne qui sera couronnée dans ce travail, dans la famille, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dans Job le chapitre 12, le 8e verset, Job qui nous parle en disant, parle à la terre. Un révolutionnaire qui peut écrire, parle à la terre. Parle à la terre. Et après avoir parlé à la terre, qu'est-ce qui se passera? La terre t'instruira. Il y a une autre dimension, chers révolutionnaires. Une dimension, je vous parle parce que nous sommes dans un live privé, mais nous allons aussi mettre, nous allons pas tout dévoiler directement. Il y a une dimension, chers révolutionnaires, où nous entrons dans, est-ce que je peux vraiment le dire? Dans une dimension où nous opérons avec les éléments. Avec les éléments. Cela veut dire cette dimension où l'Éternel vous donne la couronne pour devenir chef de terre. Et pour devenir un chef de terre, la terre doit vous connaître. Est-ce que quelqu'un est ensemble avec moi? Chers révolutionnaires, c'était lors d'une vision que nous étions en train de voir. Et dans cette vision, j'étais en train de voir la terre que nous voyons. Mais j'étais en train de me voir sur la terre, en train de marcher. Mais j'ai marché quelque part et après j'ai vu les yeux de la terre. Dans la vision, je me voyais que je suis en train de marcher sur la terre. Et j'ai vu les yeux de la terre. Et lorsque je parlais de cette vision, je suis entré dans une autre vision où j'étais en train de rencontrer la terre comme entité. Est-ce que quelqu'un est ensemble avec moi? Où nous étions en train de voir la terre comme une entité spirituelle. Il y a certaines choses que nous ne disons pas en public parce que cela peut choquer la vie de plusieurs. Mais nous voyons la terre comme une entité. Parce que, chers révolutionnaires, nous sommes appelés à devenir de chefs de terre. Et pour devenir de chefs de terre, nous devons ainsi savoir opérer avec le 4 éléments. Avec la terre, avec l'eau, avec le feu et avec l'air. Est-ce qu'un révolutionnaire est en train de comprendre ce que nous sommes en train de dire, Job est en train de dire quelque chose d'exceptionnel. Parle à la terre et la terre t'instruira. Parce que la terre connaît l'histoire. La terre, c'est ainsi que pendant ce programme, que l'Éternel fasse de vous de chef de terre. Que la terre vous reconnaisse et que le trône maléfique qui se passait, le trône maléfique dans votre famille, qui était ainsi à un membre de la famille, que vous puissiez détrôner ce trône et que vous puissiez marcher en domination avec la terre. Il y a certains anges qui sont dans le ciel et il y a d'autres anges qui sont sur la terre. Il y a même les anges de la forêt. Est-ce qu'un révolutionnaire est en train de me comprendre? Nous allons parler de cela très prochainement dans la grâce de Dieu. Parle à la terre et la terre t'instruira. Vous allez déclarer après moi la terre sur laquelle je me tiens. Que ça puisse être le pavé, que ça puisse être le carreau. Prochainement, nous allons avancer dans une autre orientation bien spécifique. Et en ce moment, vous allez répéter après moi.
lorsque vous répétez cela, Carasso de près de la soupe, vous allez ainsi indiquer l'heure à laquelle nous sommes. En ce moment, au travers de mon autel de couronne, je déclare avec force et puissance, par le sacerdoce des dieux, que je prends en possession les terres qui ont été données à l'ennemi Satan. Chers révolutionnaires, dans votre famille, il y a certaines terres données à l'ennemi. Dans votre famille, il y a certains domaines de votre vie que vous ne voyez pas clair. Certains domaines de votre vie que vous n'arrivez pas à bien comprendre, à bien cerner cela. Nous sommes en train de prier que toute terre, tout domaine de votre famille attribué à Satan, un domaine de votre vie qui complique énormément, attribué à Satan, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth, nous récupérons cela. Et je parlerai ainsi d'un seul secret. Parmi plusieurs secrets de la guérison divine, nous devons savoir quelque chose. Que si nous voulons opérer et vivre la guérison sur notre corps, parmi les voies et moyens que nous pouvons avancer, c'est les voies et moyens de la terre. Pourquoi ? Parce que l'homme, la chair, a été créée, vient de la terre. Le corps physique tire son origine de la terre. Et lorsque vous ressentez des problèmes de santé, vous devez être dans le sacerdoce de Dieu pour parler à la terre qui est l'origine, notre origine tous. Je ferme cette parenthèse. Nous parlerons de cela prochainement. Je suis en train de déclarer maintenant en ce moment pour toutes les personnes connectées ensemble avec moi que la terre, les anges de la terre soient votre allié. Que la terre comme une entité spirituelle, que cela soit votre allié au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que tout pouvoir descend qui vous empêche d'accéder ainsi à votre couronne. Il y a de ces personnes, chers révolutionnaires, vous remarquez que dans votre famille, vous êtes une famille qui... Vous êtes une famille qui a une grâce de Dieu. Mais vous remarquez que dans toutes les personnes, c'est seulement votre vie qui ne marche pas comme cela devait être. Il y a des choses qui se passent et que il y a dans votre sang, il y a le sang d'une autre famille. Certaines personnes qui ont fait de pacte avec le sang, certaines personnes qui ont fait des transfusions sanguines avec le sang sont pour autant sanctifiées et purifiées le sang pour lequel on avait fait la perfusion pour votre vie. Votre famille est une famille qui doit opérer grandement. Les autres personnes avancent. Mais en ce qui concerne votre vie, vous remarquez qu'il y a comme deux pas en arrière que vous êtes. C'est ainsi que nous sommes en train de déclarer que tous les sangs étrangers, c'est ainsi que l'eau que vous avez pris, le verre d'eau que vous avez pris, nous allons ainsi maintenant prier pour cela, être en connexion divine avec cela, pour qu'au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que tout ce qui se trouve dans votre sang, qui vous disqualifie à la couronne, que cela maintenant sorte de votre vie, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que tout pouvoir descend qui vous empêche de rentrer dans votre bénédiction, qui vous empêche de rentrer dans le plan de Dieu
pour votre vie. Que cela soit détruit maintenant. Que tout pouvoir du sang qui vous empêche de vivre la couronne, d'être couronné pendant ce programme. Chers révolutionnaires, vous devez savoir que lorsque nous nous réveillons en prière, il y a aussi le monde de ténèbres s'élève aussi en prière pour pouvoir contrecaler toutes les paroles que vous serez en train de déclarer. C'est ainsi que pendant ce moment, les grâces de brider sont car nous s'adhérer des plouilles de racia. Nous sommes déjà en train de compter des nombres de visions que nous sommes en train de voir. Mahasa. Le calou de prayavaso. Alors que le monde de ténèbres se lève, nous sommes en train de déclarer que tout pouvoir contraire au couronnement dans votre vie tombe maintenant. Vous allez répéter avec force après moi. Lorsque vous allez répéter, vous serez en train de faire quelques pas de là où vous êtes en déclarant après moi que tout pouvoir maléfique, tout pouvoir de la famille contraire qui s'oppose au couronnement dans ma vie, dans ma destinée, je marche sur cela. Comme je marche sur cela, je marche sur cela. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je marche complètement sur tout pouvoir qui empêche l'excellence dans ce que nous sommes. Pendant ce moment, chers révolutionnaires, l'Éternel vous donne de l'excellence. Dans votre travail, vous devenez excellent. Dans tout ce que vous faites, vous devenez excellente. Vous devenez ainsi la source. Vous devenez la source de l'excellence. L'exemple de l'excellence dans votre famille. Lorsqu'on voudra citer les noms de personnes qui ont réussi leur vie, vous serez la première personne. La première personne de la liste dans l'excellence au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. L'excellence s'attache à votre vie. Et maintenant, nous sommes en train de marcher, de détruire tout pouvoir contraire au couronnement de votre vie. Tout pouvoir contraire qui empêche que les promesses de Dieu s'accomplissent dans votre famille. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, toute malédiction de couronne d'épines, vous allez déclarer après moi que toute malédiction de couronne d'épines dans ma vie, qu'est-ce que la Bible est en train de nous parler? Chers révolutionnaires, la Bible nous parle que sous le Seigneur, on a placé de couronnes d'épines. On a placé de couronnes d'épines. C'est une couronne de honte. Vous êtes plusieurs personnes sont devenues ainsi la référence de la honte. La référence des blocages. Tout le monde est en train de prospérer avec sa famille. Tout le monde est avec sa famille. Mais c'est seulement vous où il y a de problèmes. Cette couronne d'épines qui vous empêche d'imposer ainsi votre trône, d'imposer et de vivre ce que le Seigneur vous attend. Que cette couronne de pin, chère, pendant ce moment, nous allons mettre le manteau prophétique sur notre tête. Mettre le manteau prophétique sur notre tête. Et les anges de l'Éternel viendront ainsi prendre, enlever cette couronne de pin sur votre tête. Tout le temps, vous avez de maux de tête. Tout le temps, ce sont de maux de tête chroniques. Cela vous... Il n'y a pas une semaine qui passe sans pour autant avoir vu, sans pour autant, wow, une autre vision vient de s'ajouter. Wow, nous comptons encore. Il n'y a pas une semaine qui passe sans avoir de problèmes de tête, de problèmes de maux de tête, que toute couronne de pines qu'on a placée sur votre tête, maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que cela libère votre tête, que cela libère
libère, libère, libère votre tête au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. J'allais répéter avec force après moi. Je me débarrasse. Je me débarrasse. Je me débarrasse de toute couronne d'épines sur ma tête. Je me débarrasse de toute couronne d'épines qu'on a placée sur ma tête. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que toute malédiction, parole prononcée contre moi, que tout le vœu maléfique, il y a certaines personnes, chers révolutionnaires, qui ont fait le vœu, qui ne veulent pas voir votre réussite. Ils ne veulent pas voir votre mariage. Tant qu'ils sont en vie, qu'ils ne veulent pas voir votre mariage, qu'ils ne veulent pas vous voir épanoui. Et toutes ces personnes qui ont déclaré ainsi que l'exterminateur les localise. Oh, est-ce qu'un révolutionnaire est en train de répéter cela? Que l'exterminateur localise, 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 localise avec force par le rugissement du lion de la tribu de Juda. Que l'exterminateur localise toute personne qui déclare ainsi au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que toute parole, les sarous de plia, toute parole enregistrée dans ma famille qui m'empêche de vivre le couronnement, je détruis cela, je détruis cela, je brise cela au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que tout ce qui a été fait, chers révolutionnaires, plusieurs personnes, le jour de votre conception, il se passait quelque chose. Le jour de votre conception, qui était la personne qui était là le jour de votre conception? Et quel genre de paroles qui ont été déclarées le jour de votre conception? J'allais déclarer après moi que tout ce qui a été fait le jour de ma conception, le jour de ma naissance, et qui limite ma vie, qui me disqualifie à la couronne, que cela soit détruit par le feu, que cela soit effacé par le sang de Jésus-Christ. Que tout ce qui m'empêche de toucher à ma couronne, d'être couronné en cette année, soit maintenant brisé, effacé par le sang de Jésus-Christ. Que le rugissement du lion de la tribu de Juda puisse maintenant rugir, se faire entendre pour détruire les rituels maléfiques. Wow, une autre vision encore. Les rituels maléfiques qui ont été faits le jour de ma naissance au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. La sori de ra sofa. Vous allez déclarer avec force, avec pouvoir après moi, que tout pouvoir maléfique qui combat mon couronnement, qui combat ma couronne, mara sopra, ibera sopra, maintenant je brise cela, je détruis cela, tout pouvoir maléfique qui empêche que ma couronne vienne vers moi, que cela soit brisé maintenant, cela soit anéanti au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que tout chef de terre, que tout totem familial, tout chef de terre, tout totem familial, toute prêtresse et prêtre maléfique, à moins que chers révolutionnaires, à moins qu'il ne piétine pas, à moins qu'il ne marche pas sur la terre, à moins qu'il marche sur les airs, mais tout chef de terre, toute prêtresse maléfique, prêtre maléfique,
prêtre maléfique qui en veut à votre vie, que l'exterminateur le frappe, que la terre devient un élément de jugement pour eux. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, j'allais répéter après moi, que la terre devienne un élément de jugement et de malédiction pour toutes ces personnes. Malasura devesha. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que la terre puisse m'inscrire dans la liste de personnes qui seront couronnées en cette année. Vous allez déclarer après moi, afin que la terre puisse enregistrer votre nom, puisse enregistrer votre nom au complet dans la liste de personnes qui doivent être couronnées en cette année, dans la liste de personnes qui doivent expérimenter le miracle, dans la liste de personnes qui doivent dominer au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que tout pouvoir descend qui vous empêche de recevoir le promesse, qui vous empêche de recevoir votre couronne, soit neutralisé maintenant par la puissance exterminatrice du Saint-Esprit au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Vous allez répéter après moi, maintenant que tout pouvoir maléfique qui empêche que ma couronne soit placée sur ma tête, la souris de rassoupra. Maintenant, une autre vision encore qui s'ajoute. Les Sahat. Nous sommes déjà à 50e vision. Blaha, sopla et de rassoupra. Wow, exceptionnel. Tout pouvoir maléfique des eaux qui place ma couronne dans le royaume des eaux pour que nous ne puissions pas vivre l'épanouissement dans ma vie, le mariage, la bénédiction de l'Éternel. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, ce pouvoir se brise. Ce pouvoir se brise maintenant. Ce pouvoir se brise maintenant. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je déclare maintenant que tout ce qui vous disqualifiait, tout ce qui vous disqualifiait soit maintenant détruit. Tout ce qui vous disqualifiait à la promotion, au mariage, soit maintenant détruit. Que toute malédiction, toute parole maléfique, les maléfices sataniques qui ont été faits, qui vous empêchent de vivre la couronne sur votre tête, la couronne dans la vie de vos enfants, soit maintenant détruit. Soit maintenant détruit par le rugissement du lion de la tribu de Judas. Le rugissement du lion de la tribu de Judas. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que toute lignée descend, toute lignée descend qui combat votre couronne soit combattue maintenant par le feu exterminateur de Dieu. Je l'ai déclaré avec force après moi, que toute lignée de personnes qui combattent ma couronne soit combattue par le feu exterminateur de l'Éternel des armées. Que toute mauvaise parole prononcée par mes parents ou par quelqu'un d'autre lors de ma conception qui s'accomplit dans ma vie soit maintenant annulée par le sang de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ, toute mauvaise parole qui s'accomplit dans votre vie, toute mauvaise parole déclarée par vos parents ou par quelqu'un d'autre qui sont en train de s'accomplir dans votre vie, que cela soit maintenant effacé par le sang de Jésus-Christ. Maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus, nous brisons toute parole qui vous disqualifie à la couronne. Toute parole qui vous disqualifie à la couronne. Car il ressaute. Toute parole qui vous disqualifie à la couronne. Nous brisons cela. Nous anéantissons cela. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Maintenant, nous sommes en train de faire tomber toute force maléfique dans votre sang qui vous
disqualifie à la couronne, qui vous disqualifie aux grandes percées, chers révolutionnaires, qui a destiné que votre vie puisse vivre la même réalité, qui vous a placé dans cette boîte, que la même réalité recommence encore et encore dans votre destinée. Pendant ce moment, le feu exterminateur du Saint-Esprit est en train d'exterminer au nom puissant et précieux de Jésus toutes les limitations qu'on a placées sur vous. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que ce verre d'eau que vous avez pris, que cela soit sanctifié, que cela soit purifié, que cela ainsi soit sanctifié, purifié et investi du pouvoir divin. Qu'au travers de ce verre d'eau, que vous puissiez entrer en contact avec la puissance de Dieu dans le royaume des eaux. Que l'ange des eaux soit votre allié. Que l'ange des eaux administre la délivrance dans votre corps. Que l'ange des eaux administre la délivrance dans votre vie. Que l'ange des eaux administre la délivrance. Et que pendant ce moment, que si votre couronne a été placée dans le royaume des eaux, votre couronne a été placée dans des rivières, que les anges des eaux puissent maintenant récupérer et mettre cela sur votre tête. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, vous pouvez boire de cette eau. Et en buvant de cette eau, vous vous connectez à la puissance divine dans le royaume des eaux. Quelque chose est en train d'entrer dans votre corps. Quelque chose au-delà de l'eau, au-delà de la substance physique. Il y a cette substance spirituelle qui est ainsi communiquée pendant ce moment. Et la puissance de Dieu dans le royaume des eaux est en train de vous remplir. De remplir votre corps. Maintenant, les anges des eaux, qu'ils viennent ainsi et qu'ils deviennent votre allié. Pendant ce moment, que les anges des eaux puissent venir au nom de Jésus-Christ, vous assister au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Maintenant, alors que vous avez bu de cette eau, que toute force négative qui anime votre sang, qui contrôle votre sang, tout lien de sang négatif avec le sang de vos ancêtres, tout modèle de lien de sang qui vous connecte avec le sang de personnes qui pratiquent le vaudou, qui pratiquent la sorcellerie, de ceux qui pratiquent le célibat, la sorcellerie du célibat. Maintenant, alors que vous avez bu de cette eau, que ce lien soit coupé maintenant. Que ce lien soit brisé, soit neutralisé par la puissance de Dieu contenu dans le verre d'eau, dans la bouteille d'eau que vous avez bu, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, alors que vous avez bu de l'eau de la haute spiritualité, que tout mélange de sang dans votre sang, chers révolutionnaires, vous étiez dans l'ignorance, vous n'avez pas sanctifié, ni prié pour la transfusion sanguine qu'on avait donnée à votre fille, à votre fils. Et maintenant, c'est que vous êtes en train de vivre les répercussions des informations spirituelles qui se trouvaient dans le sang de cette personne. Nous sommes en train de déclarer au travers de l'eau de la haute spiritualité que tout mélange de sang dans votre sang soit maintenant vidé par le sang de Jésus-Christ. Que tout mélange de sang dans votre sang soit maintenant vidé par le sang de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que tout le lien de sang qui relie votre vie à la maladie,
qui relie votre vie à vivre une vie de couronne d'épines. Maintenant, que cela soit brisé au travers de l'eau de la haute spiritualité. Vous recevez maintenant la délivrance. Vous recevez maintenant cette guérison au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que tout ce qui a été programmé dans le royaume maléfique contre votre couronne, les lois et les coutumes qui vous disqualifient à vivre la couronne, que cela soit maintenant annulé et brisé au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que tout ce qui vient à l'intérieur de vous, vous allez répéter après moi, que tout ce qui vient à l'intérieur de moi et tout ce qui me pousse hors de ma terre promise, que cela soit neutralisé, que cela soit neutralisé au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que toutes choses négatives enregistrées dans mon sang qui m'empêchent de porter à ma couronne, il y a, chers révolutionnaires, des données spirituelles. De la même manière que nous avons les données biologiques sur le sang, il y a aussi des données spirituelles sur le sang. Dans votre sang, on a placé le domaine, que le domaine du mariage ne va pas marcher. Que vous allez aller de divorce en divorce. Que vous allez aller ainsi de déception en déception. Que vous allez aller d'échec en échec. Que vous allez rencontrer de mauvaises personnes. Et toutes les informations comprises dans votre sang spirituel au travers de l'eau de la haute spiritualité. Maintenant, que ces informations négatives soient maintenant neutralisées, effacées par le sang de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ, au travers de cela, au travers de l'eau de la haute spiritualité, nous brisons toute mauvaise alliance avec la sorcellerie, avec la mort, avec les eaux, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Nous sommes en train de briser, nous sommes en train de nous attaquer maintenant contre le couronne d'épines, contre le couronne d'épines qui font que votre vie puisse vivre de demi-percée, qui font que la honte est en train de vous poursuivre, qui font que les ennemis, le démon, Palasonica Asipaidela, exceptionnel, une autre qui s'ajoute, qui font que le démon puisse venir, puisse se sentir à l'aise avec vous. Maintenant, que cela soit brisé, annulé au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Chers révolutionnaires, connectez ensemble avec moi. Vous allez mettre de l'huile d'onction sur votre front, s'il vous plaît. Vous allez mettre de l'huile d'onction sur votre front. Et maintenant, en ce moment, alors que vous avez placé de l'huile d'onction sur votre front, étant votre accompagnateur spirituel, alors qu'il est minuit là où je suis, et que je lève ma voix vers l'Éternel des armées pour vous. Et je suis en train de prophétiser que la couronne d'épines soit brisée, que les saisons de vaches maigres viennent de terminer. Les saisons de vaches maigres viennent de terminer. Et ce maintenant la saison de vaches grasses. Je suis en train de déclarer, car pendant ce moment, le soleil, la lune, les étoiles écoutent le son de ma voix. Votre vie rayonne de 1000 étoiles à partir de maintenant.
s'il y a de paroles maléfiques prononcées contre vous, je viens contrecaler ces paroles au travers de vos autels et aussi au travers de ces paroles spirituelles qui se déclenchent là où vous êtes. Que l'Esprit de Dieu m'amène pour administrer un travail en votre faveur. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que tout ce qui vous revient de droit, que cela vous soit accordé. Que tout ce qui vous revient de droit, que cela vous soit accordé. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que tout ce qui vous revient de droit, que cela vous soit accordé dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Et que les anges qui sont derrière la couronne, les entités spirituelles de Dieu, l'animal ailé, qu'ils viennent à votre rencontre et qu'ils solidifient maintenant votre royauté, qu'ils solidifient la couronne sur votre tête, la domination là où vous êtes, dans votre travail, sur le plan séculier, sur tout le domaine de votre vie. Nous sommes en train d'aller quelque part, mais nous parlerons de cela très prochainement dans le live qui suit. Nous sommes en train d'aller quelque part. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que je déclare ainsi dans votre vie, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Un révolutionnaire qui peut dire ainsi soit-il et pas autrement, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. 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 Chers révolutionnaires, nous vous invitons déjà à liker la vidéo et nous nous retrouvons ainsi demain à la même heure. Et si le Seigneur, l'Éternel nous permettra de dire tout ce qui se passe au devant de nos yeux, nous parlerons de cela déjà demain à la même heure. Nous sommes connectés selon la grâce et selon la faveur de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous continuons dans ce programme exceptionnel de prière et de la couronne d'Esther. Demain déjà, on se retrouve et selon que le Seigneur placera à notre esprit, nous allons libérer tout ce qui a été dit et tout ce qui a été vu pendant ce programme. À très bientôt et que c'était votre frère et accompagnateur spirituel, RMK Combat. Chers révolutionnaires, soyez dans la joie, soyez dans la grâce, soyez dans le miracle de Dieu et surtout, soyez révolutionnaires. Shalom chez vous.